Bonjour à tous, je suis Adrien Alvarez et je suis professeur de français à l'école ISMAC qui est située à Paris. Et je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit phénomène de phonétique qui arrive quand on est en situation d'expression orale en français plutôt familier. Vous avez sûrement déjà entendu qu'en français, quand vous utilisez le pronom personnel « je » pour parler de vous-même, ok, par exemple, de temps en temps, on écrit « je » avec « j-e » et de temps en temps, on barre le « e » et on utilise une apostrophe si après, il y a une voyelle, comme par exemple « j'ai » ou alors « j'aime » ou par exemple « j'écoute ». Par contre, quand on utilise le pronom « tu », d'accord, pour parler d'une autre personne, normalement, il n'y a pas d'apostrophe, c'est-à-dire qu'on va dire « tu as »,« tu aimes » ou « tu écoutes », d'accord. Mais par principe d'économie un petit peu, les Français, en fait, en expression orale, en situation familière, utilisent souvent un système d'apostrophe avec « tu » quand après, le verbe commence avec une voyelle. Donc, en fait, normalement, en français standard, vous devez toujours prononcer et surtout écrire « tu » plus le verbe, mais souvent, vous pouvez entendre des Français qui parlent et qui disent pour « tu as »,« ta », »,« tu aimes »,« t'aimes ». Tu écoutes, t'écoutes. Et du coup, on l'entend très souvent avec le passé composé, puisque quand vous avez un passé composé avec le verbe avoir, on dit t'as fait, t'as pris, t'as mangé, t'as vu, etc. etc. Donc voilà, n'oubliez pas que l'apostrophe avec le tu, elle est possible en situation orale familière. Par contre, vous ne pouvez jamais l'écrire, c'est-à-dire qu'on n'écrit jamais t apostrophe. Quand il s'agit du sujet et vous ne pouvez pas le dire même à l'oral en situation formelle si par exemple vous passez un entretien d'embauche. Voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt.